Les frontières hongroises étant verrouillées, les réfugiés ont pris un autre chemin pour entrer en Europe occidentale. Arrivant de Serbie, une quarantaine d'entre eux, principalement des Syriens et des Afghans, sont entrés ce mercredi matin en Croatie. Interpellés par la police croate peu après avoir franchi la frontière, ils ont été conduits dans la ville de Tovarnik pour y être enregistrés et recevoir des soins. Nous coopérons avec la police pour fournir des ambulances et des médicaments aux personnes qui en ont besoin, comme les femmes et les enfants, explique le chef de la protection civile du comté de Vukovar Srijem. De son côté, la Croix-Rouge approvisionne en eau et en nourriture et autres produits dont ces réfugiés ont besoin. La Croatie ne fait pas encore partie de l'espace Schengen. Les contrôles frontaliers sont donc automatiques. Zagreb a cependant assuré qu'elle ne s'opposerait pas au passage des réfugiés sur son sol et qu'elle les dirigerait vers les destinations où ils souhaitent se rendre, l'Allemagne et la Scandinavie.